Alors du coup, donc, merci et bienvenue au SEO Campus. Merci d'être venu à cette conférence. Donc, comment gagner de l'argent avec les noms de domaine, industrialisation des PBN. Alors déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle François Tréca et je suis entrepreneur web. Et puis voilà, ça suffira, je pense. Alors, avant de commencer cette conférence sur les PBN, je vais vous rappeler quelques bases pour être sûr de bien se comprendre. Alors déjà, la grosse base avant toute chose, le netlinking. Donc le netlinking, c'est une des trois bases du référencement et l'idée générale, c'est que plus un site reçoit de liens de la part d'autres sites et plus il sera visible sur Google. C'est la base de l'algorithme du PageRank. Donc là, c'est l'illustration hyper classique du PageRank où vous avez des smileys qui représentent des sites web et vous voyez que les smileys, plus ils reçoivent de liens de la part d'autres smileys et plus ils sont gros et souriants. Et ils sont plus souriants parce qu'ils sont plus visibles sur Google et ils ont plus de trafic. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, un PBN, qu'est-ce que c'est ? PBN, ça signifie Private Blog Network. Donc, l'illustration super classique du PBN, c'est ça. On a un monésite. Donc un monésite, ça peut être un e-commerce, ça peut être un site vitrine d'une entreprise, ça peut être un générateur de leads. Et ce monésite, on cherche à le rendre plus visible sur Google. Donc, je vous ai dit, le netlinking, c'est important, et c'est compliqué d'obtenir des liens de la part d'autres sites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique du PBN, et qui consiste à créer de façon complètement artificielle des séries de blogs qui vont faire chacun des liens vers le money site. Et de ce fait-là, ça va faire monter la popularité du site auprès de Google, qui sera plus visible sur Google. Alors ça, c'est une image un peu réductrice, parce qu'il y a plein de cas particuliers, par exemple un blog de PBN. Et si vous le soignez vraiment, ça peut devenir un site de référence dans son domaine. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment un petit blog de PBN? Non, pas vraiment. Ou bien un blog de PBN, si vous vendez beaucoup d'articles dessus, il peut rapporter plus que le monésite. Donc, est-ce que c'est encore un petit blog de PBN? Non, pas vraiment. Donc du coup, moi j'ai une liste un peu plus large. C'est une liste de sites qui vous appartient. Et du coup, la forme la plus classique finalement d'un PBN, c'est un tableur Excel avec une liste de noms de domaine. Alors, il existe trois grands types de PBN. Les PBN pour se faire des liens. Donc ça, c'est vraiment le schéma classique que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, il y a les PBN pour gagner de l'argent et les PBN pour drainer des visiteurs. Aujourd'hui, dans cette conférence, on va s'intéresser uniquement aux PBN pour gagner de l'argent. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous vous intéressez aux deux autres types, vous pouvez aller sur mon site créerpbn.fr sur lequel vous trouverez des gros articles qui expliquent précisément comment faire aussi pour ces deux types-là. Mais aujourd'hui, on cherche à gagner de l'argent. Alors du coup, l'objectif de cette conférence, ça va être de vous permettre de créer rapidement votre PBN, d'y vendre des liens pour gagner de l'argent. Donc je vais vous expliquer tout ça. Avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu le marché du netlinking, comment ça fonctionne, parce que si on veut vendre, il faut connaître son marché, c'est la base. Alors, les produits. Donc il existe trois grands types de produits lorsqu'on vend du lien sur du PBN. Ce sont les articles sponsorisés, les liens en page d'accueil et les liens sur page existantes. Alors, les articles sponsorisés. Donc les articles sponsorisés, c'est un nouvel article qu'on va ajouter au blog. Donc on va partir de zéro, il va falloir le rédiger. Et cet article, il contient un lien vers le site du client. Le gros intérêt des articles sponsorisés par rapport aux autres produits, c'est que le lien va être posé sur une page qui est vraiment spécialisée. Donc la page va parler uniquement du mot-clé sur lequel on cherche à être visible. Donc ça, c'est vraiment la force de l'article sponsorisé. L'autre avantage, c'est que normalement, c'est un lien à vie. Donc le lien, il est censé rester aussi longtemps que le site existe. Donc jusqu'à son abandon ou sa revente. À la revente, en général, la première chose que fait le nouveau propriétaire, c'est virer tous les liens. C'est comme ça. Alors ensuite, le deuxième type de lien, ce sont la location de liens en page d'accueil. Alors celui-là, il est un peu moins connu, c'est moins populaire. Et pourtant, il y a des énormes avantages. Le plus gros avantage du lien en page d'accueil, c'est qu'il draine un page rank maximal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la page d'accueil d'un site, c'est la page la plus puissante en termes de page rank. Vous vous souvenez, je vous ai dit, plus un site reçoit de liens de la part d'autres sites, et plus il est puissant. Et bien en fait, c'est pareil avec les pages. Donc, la page d'accueil, elle reçoit des liens de la part de toutes les autres pages du site. Et c'est aussi cette page-là, en général, qui reçoit des liens de la part des autres sites. Donc tout le page rank du site est concentré sur la page d'accueil. Donc lorsqu'on a un lien sur une page d'accueil, on a la puissance maximale du site qui est transmise
via ce lien. L'autre avantage, c'est que le jus transmis par le lien en page d'accueil est stable au fil du temps. Je ne vous ai pas dit un petit détail avec les articles sponsorisés, c'est qu'au fil du temps, ils vont transmettre de moins en moins de jus. Bah oui, parce qu'au début, l'article sponsorisé, lorsqu'on publie, il est sur la page d'accueil. Donc, en fait, il est votre lien que vous avez acheté, il est à un clic de la page d'accueil. Mais au fil du temps, comme le blog vit, il va y avoir des nouvelles publications qui vont s'empiler. Et ces publications vont faire descendre dans la page d'accueil l'article, et à un moment donné, il va passer en page 2. Et à ce moment-là, pour atteindre cet article, il faudra faire 2 clics pour atteindre le lien. D'abord page 2, et ensuite aller sur l'article, et ensuite cliquer sur le lien. Donc en fait, le site va recevoir de moins en moins de PageRank de la part du site, et du coup, le jus va diminuer. Avec le lien en page d'accueil, on n'a pas ce problème-là. Le jus est toujours maximal. Le gros avantage pour les vendeurs de liens sur la location de liens en page d'accueil, c'est que c'est un paiement récurrent et sans travail supplémentaire. Une fois que le lien est posé, on peut facturer de façon périodique. Et ça, c'est un énorme avantage. Si vous visez la liberté financière, il faut louer du lien en page d'accueil. C'est l'idéal. Alors, le troisième type, c'est les liens sur page existante, qui a été popularisé récemment avec Next Level. Donc, c'est une page avec de l'ancienneté sur laquelle on va placer un lien supplémentaire. Il y a des énormes avantages pour l'SEO. Peut-être que la page est déjà indexée, peut-être que la page est visible sur des mots-clés, peut-être qu'elle a déjà cumulé du PageRank. Donc, c'est ces avantages-là qui font que ça se vend plutôt bien, ce genre de lien. C'est aussi intéressant pour les vendeurs de liens, parce que du coup, c'est moins de travail aussi. Il n'y a pas besoin de rédiger un article complet. On peut se contenter de poser simplement le lien ou alors rajouter quelques lignes. Alors, on a vu les produits, voyons maintenant un peu qui sont les clients. On a 3 grands types de clients dans le marché du netlinking. Donc, il y a les indépendants SEO. Donc, eux, c'est moi. Donc, eux, leur métier, c'est le SEO. Ils ne font que ça. Souvent, ils ont des monésites qui sont basés sur soit de l'affiliation, de la publicité, de la génération de leads. Donc, ils cherchent à rendre visibles ces sites-là sur Google pour avoir plus de trafic et convertir plus. Ensuite, il y a les agences SEO. Alors, les agences SEO font aussi leur métier, c'est aussi le SEO. Mais la différence, c'est qu'elles vont faire le travail du référencement à la place de leurs clients. Donc, les clients sous-traitent le référencement à ces personnes. Les clients de ces agences, en général, ce sont des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par le référencement. Ce n'est pas leur métier. Mais par contre... Pardon. Par contre, ils sont intéressés pour être visibles sur Google. Ils cherchent pas spécialement à comprendre finement les algorithmes. Et enfin, les éditeurs de sites. Donc là, c'est des personnes qui ont un métier qui n'est pas le référencement. Donc ça peut être déménageur, loueur de salle, peu importe. Et ils ont un site qui est leur principal canal d'acquisition de trafic via le SEO. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est être de plus en plus visibles sur Google pour avoir plus de nouveaux clients et aussi faire croître leur business. Alors, comment ces gens vont choisir les sites sur lesquels ils vont poser des liens? Il y a 4 grands critères. Alors, le premier critère fondamental, c'est le prix. Alors, quand je dis ça, j'ai l'impression de dire que les poissons nagent. Mais oui, le prix, c'est primordial. Si je vends un produit et que mon voisin vend le même produit mais 2 fois moins cher, c'est très simple, je ne vendrai rien et mon voisin vendra beaucoup. Donc ça, c'est une évidence, c'est vrai sur tous les marchés, mais en fait, en discutant avec les gens, je me rends compte que c'est pas toujours évident. Mon site est génial, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas d'acheteur. Oui, mais bon, t'es à 100 balles, l'autre il a 10 balles. À un moment, il y a un problème. Alors l'autre critère de sélection, ça va être le PageRank. Alors le PageRank d'un site n'est pas connu, il n'est pas communiqué par Google, il n'y a que Google qui connaît ce PageRank. Donc en fait on a des indicateurs qui vont nous permettre de savoir combien à peu près d'estimer ce PageRank. Donc il y a 3 indicateurs, c'est le TrustFlow, donc c'est le plus populaire en France, le TrustFlow de Majestic, qui va donner une note entre 0 et 100 à chaque site pour savoir combien de PageRank il renvoie, enfin du moins c'est une estimation. L'autre gros indicateur en France, c'est le trafic estimé par SEMrush. Donc le trafic SEO. Et donc plus ce trafic sera élevé et plus votre site va monter en prix.
Et le dernier, ça va être le nombre de mots-clés indexés et leur position. Donc plus vous en avez dans la thématique, et mieux c'est. Alors justement, le troisième critère, ça va être la thématique. Donc c'est très important pour les acheteurs, parce que, par exemple, si vous avez un client qui vend des alliances de mariage, eh ben, il ne souhaitera pas, bizarrement, être visible sur des sites de poker ou des sites de voyance. Ça peut paraître surprenant, mais c'est rarement le cas. Et du coup, il préférera être visible sur un site dont le thème est les alliances de mariage ou le mariage. Enfin, la qualité du contenu. Là, pareil, si vous faites des sites générés automatiquement avec des images pas propres, volées, puis des textes générés et qui n'ont aucun sens, eh ben, ça ne plaira pas non plus. Il faut assurer un minimum de qualité du contenu pour espérer vendre. Alors, à chaque type de client sont des critères. Donc ça, c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais en fait, tous les types de clients ne cherchent pas du tout la même chose. Les indépendants SEO, eux, ce qu'ils veulent, c'est du jus, c'est du page rank, et ils vont analyser très finement les metrics pour savoir si le site est bon ou pas. Ça va être leur premier critère. Les agences SEO, elles vont plutôt se concentrer sur la thématique. Pourquoi ? Je vous ai dit que leurs clients, c'était des débutants. Ils comprennent pas spécialement les algorithmes, le netlinking et tout ça, ça ne les intéresse pas. Par contre, ce qu'ils comprennent très bien, c'est que s'ils ont un site sur les alliances de mariage et que ce site est visible sur un site généraliste, l'article précédent étant un site de voyance et l'article suivant un article sur le poker, il n'y a pas besoin d'être un génie, ma mère elle comprendrait qu'il y a un problème. Donc, pour éviter d'avoir des discussions compliquées avec leurs clients, ils vont préférer assurer la thématique des clients. Ça va les rassurer. Les éditeurs de sites, eux, leur grande panique, et ça ils en ont une trouille bleue, c'est de se prendre une pénalité. Parce qu'en fait, la pénalité pour netlinking de la part de Google, pour eux, c'est la fin de leur business. Donc, eux, ils veulent des super sites. Ils veulent montrer patte blanche. Donc, eux, ce qu'ils vont surtout regarder, c'est la qualité du contenu. Ils vont être plus vigilants là-dessus. Donc voilà, ça c'est important de savoir précisément de quoi a besoin la personne que vous avez en face de vous pour lui vendre des liens. Parce que, en fait, il ne va pas du tout chercher la même chose en fonction de son profil. Alors, on a vu le marché, maintenant voyons comment créer un PBN. Ce qui va être très important dans la création de votre PBN, je vous l'ai expliqué, ça va être le choix de la thématique. Alors, comment trouver sa thématique qui vendra bien ? La première chose à faire, tout simplement, c'est de demander à vos clients qui achètent, à vos clients déjà, de quoi ils ont besoin. Parce que vous les connaissez, ça va être facile de leur vendre, vous avez leur confiance. Donc demandez-leur de quoi ils ont besoin, faites-leur des sites de PBN et vous vendrez très rapidement du lien et vous amortirez votre investissement. Si vous n'avez pas encore de clients, demandez à ceux qui achètent déjà du lien. Ici, je pense que tout le monde achète du lien, donc du moins beaucoup de personnes. Et demandez aux gens ce dont ils ont besoin et puis faites-leur des choses qui répondent à leurs besoins, tout simplement. Alors si vous n'avez pas de clients et que vous ne connaissez personne, il y a des thématiques qui sont très porteuses, donc mariage, décoration, SEO, finance, bricolage, jardin, beauté, travaux, voyage, animaux, sport, santé, jeux d'argent. Tout ça, en général, vous trouverez des clients assez facilement. Évitez éducation, industrie lourde, agriculture, droit, ça c'est plus compliqué de trouver des acheteurs pour ce type de lien. Alors il y a une catégorie un petit peu spéciale, c'est la catégorie généraliste, enfin la thématique généraliste, parce que justement le généraliste n'a pas de thématique. On va pouvoir mettre des articles et du contenu sur n'importe quoi. Alors, c'est assez intéressant parce que du coup ça peut intéresser tout le monde, mais on va voir que ce n'est pas que des avantages. Alors on ne parlera pas de site généraliste, c'est assez péjoratif. On parlera plutôt de site d'actualité, de site d'information. Et là tout de suite ça sera plus vendeur. Bon, c'est du marketing. Alors justement, le niveau de spécialisation de votre site, ça va être important. Donc un site généraliste, vous allez pouvoir toucher beaucoup de clients, parce que potentiellement, n'importe qui pourrait vous acheter des liens, et donc du coup, vous allez avoir un très grand marché. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que votre site a peu d'intérêt. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les vendeurs d'alliances de mariage, ça ne les intéresse pas d'être à côté d'un article de Rorschach Crédit et de Jokari. Donc là, on serait plutôt là au niveau de la flèche pour les généralistes. Les sites spécialisés, eux, ils vont être très très intéressants pour les acheteurs. Par exemple, si vous faites un site qui va parler que de l'isolation des combles avec la laine de verre,
Alors là, ceux qui sont dans l'isolation des combles avec la laine de verre, ils vont trouver ça super, mais c'est génial ton site. C'est exactement ce que je fais. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc finalement, vous n'allez pas vendre, enfin, ou très peu. Donc là, du coup, on serait plutôt du côté de la flèche rouge. Donc nous, ce qu'on préférerait, c'est être plutôt au niveau de la flèche verte, c'est-à-dire trouver un équilibre entre le généraliste et le spécialisé pour pouvoir essayer de gratter un maximum de monde tout en restant intéressant. Alors typiquement, pour l'isolation avec la laine de verre, eh ben, on préférera plutôt faire un site sur les travaux, qui certes permettra d'avoir la laine de verre, mais également le parquet, la toiture, la charpente, etc. Tout passera. Et à ce moment-là, on pourra beaucoup plus facilement rentabiliser. Alors, je vous recommande d'avoir une production en masse pour vos blogs. Alors déjà, parce que moi, je me considère comme un industriel, évidemment, mais il y a une très bonne raison. Il vaut mieux créer des séries de blogs dans une thématique plutôt que d'essayer d'avoir plusieurs thématiques. Je vous explique pourquoi. Admettons, vous croisez quelqu'un qui vend des alliances de mariage et il apprend que vous vendez des liens. Alors il dit, ah bah c'est super, moi je cherche des liens dans le mariage, donc tu peux m'en faire ? Ah bah oui, j'ai un site. Ah, t'as un site. Bon, bah écoute, ça fait du boulot, hein, parce qu'il faut que je passe ma commande, il faut que je la valide, il faut que j'aille mettre ton RIB, il faut que je fasse le paiement, que je gère ta facture. Tout ça pour un lien, non merci. Maintenant on va refaire la même. J'ai 10 sites. Ah, t'as 10 sites. Ah bah écoute, c'est cool, je te prends 10 liens, et puis comme ça, bah, je te passe la commande, je te la valide, tu me balances ta facture et je te la paye. Même travail, 10 liens. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de vendre 10 liens plutôt qu'un seul. Donc favorisez plutôt la production de masse. Alors une fois que vous avez décidé de votre thématique et du niveau spécialisation, il va falloir trouver des noms de domaine. Alors, dans les PBN, la base. Ce qui est généralement fait, c'est de partir sur du nom de domaine expiré. L'avantage du nom de domaine expiré, c'est qu'il a un historique, donc il a déjà eu un propriétaire qui l'a abandonné, et du coup, bah, cet historique a de la valeur en termes de SEO. Peut-être que le site est toujours visible sur le mot-clé, peut-être que le site a obtenu des liens, enfin voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors le gros problème des noms de domaine expirés, c'est qu'ils sont très difficiles à trouver. Parce que bah, en fait, il y a une concurrence qui est très féroce en ce moment pour les noms de domaine, hein, ça ne traîne pas. Et en plus, il y a un risque de spam, c'est-à-dire que si votre nom de domaine a été spammé par son précédent propriétaire, ou alors qu'il a accueilli pendant un moment un site pirate ou un site porno, eh ben, Google risque de ne pas apprécier, et du coup, vous risquez de vous prendre vous-même, enfin, de pénaliser votre PBN entier. Donc voilà, ça requiert quand même une solide expertise et beaucoup de temps pour les trouver. Alors, les outils que moi j'utilise pour en trouver. Donc, Domstock, qui est la plateforme de David Shelley, de vente de noms de domaine. Bravo. Alors, David fait un travail de tri sur ces noms de domaine. Et du coup, bah, vous êtes à peu près sûr que le risque de spam, notamment, a été annihilé. Et donc, pour un prix très raisonnable, et bah, vous pourrez avoir des beaux noms de domaine qui valent le coup pour le référencement. Alors ensuite, il y a PBN Premium et Expired Domain. Alors eux vont proposer des grandes listes qui contiennent tous les sites qui sont disponibles actuellement. Enfin du moins, ils essayent parce que ce n'est pas possible de l'avoir en live. Donc l'avantage de PBN Premium, qui est payant, c'est qu'on va avoir beaucoup de .fr. Parce que l'outil est de base est français. Et donc pour le .fr, on est plutôt bien servi. Il y a aussi des filtres et des outils qui vont permettre de bien... Enfin, qui vous donnent beaucoup d'informations. Expired Domain, lui, il est gratuit. Mais en .fr, on ne trouvera pas grand-chose. Par contre, en .com, il y a beaucoup. Et il n'y a pas un pré-filtre comme dans PBN Premium. Alors, donc ça, il y a 5 ans, je ne vous en aurais pas parlé. Je ne vous aurais pas montré cette slide-là. Ça, c'est nouveau. Aujourd'hui, pour faire du PBN, eh ben, je recommande aussi de partir sur du nom de domaine neuf. Alors, les anciens, ça va vous paraître sidérant. Parce qu'en fait, le gros inconvénient des noms de domaine neufs, c'est qu'évidemment, ils sont neufs et ils n'ont pas d'ancienneté en termes de SEO. Mais ils ont des avantages qui sont pas du tout négligeables. Le premier avantage, c'est qu'évidemment, bah, il n'y a besoin d'aucune recherche pour les trouver. Et ça, c'est vachement reposant. Parce que je peux vous dire que trouver des noms de domaine expirés qui valent la peine, c'est franchement galère. Moi, j'en peux plus de faire ça. Hein.
Et surtout, vous allez pouvoir choisir le nom de domaine. Et ça, des fois, c'est super sympa, parce que quand vous prenez un nom de domaine expiré, vous subissez le nom qui a été pris par l'ancien propriétaire. Vous n'avez pas vraiment le choix. Déjà, quand vous le trouvez, c'est déjà cool. Alors, en plus, avec un joli nom, il ne faut pas trop demander. Tandis que là, si vous faites un site sur le mariage, eh ben, par exemple, vous pourrez l'appeler jolimariage.fr ou bien baldemariage.fr. Bon, celui-là, j'ai déjà. Mais... Donc voilà, vous allez pouvoir choisir des noms sympas qui vont donner envie à vos clients d'acheter chez vous. Alors, petit truc visibilité, essayez de mettre des tirets entre les mots de votre nom de domaine. Comme ça, il est plus facilement lisible par vos clients. Au lieu d'avoir joli mariage tout collé et puis difficile à lire, bah vous avez joli mariage, puis là tout le monde comprend, ça parle de mariage, c'est super. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir le site pour savoir de quoi ça parle. Alors, vous avez des extensions que je vous recommande, c'est des extensions premium. Donc .fr, .com, .org, ce sont des extensions qui sont appréciées par les acheteurs. Et à l'inverse, par exemple, des .io, des .biz, des .ninja, tout ça, ça sent un peu le spam et puis ça ne va pas inspirer confiance à vos clients. Donc ils vont vouloir éviter ce genre d'extension. Donc si vous vous réservez, bah, pensez à ça. Alors pour la réservation de nom de domaine, bah là je vais être cash, allez chez Internet BS. Ils sont rapides, efficaces, alors le support est intelligent, bien qu'en anglais. Et ils sont parmi les moins chers du marché, 5,89 pour le FR, 8 euros pour le .com. Bon, voilà. Donc, réfléchissez pas 3 heures, faites ça. Cette présentation n'est pas sponsorisée par Internet BS, c'est complètement bénévole. Alors, ensuite, une fois que vous avez réservé vos noms de domaine, il faut héberger vos sites. Le choix de l'hébergeur, c'est important. C'est capital, en fait, si vous commencez à avoir des centaines de blocs de PBN, il va falloir que votre hébergeur assure. Il y a une petite contrainte technique au niveau des PBN. Il faut que les IP de chacun de vos sites soient différentes les unes des autres. Alors moi, je ne suis pas du tout convaincu que c'est un intérêt pour le SEO. Mais mes clients le sont. Donc, mon avis, on s'en fout. Donc, mettez des IP différentes pour vos différents sites. Alors déjà, ça va écrémer vachement les hébergeurs qui sont disponibles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui proposent ça. C'est typiquement du SEO. Le support, donc il vous faut des gens compétents et réactifs. C'est important parce que des fois, quand il y a des gros problèmes, eh ben, il faut que le support puisse faire le boulot. Pensez aux sauvegardes. C'est hyper important. Moi, j'ai un petit souvenir du 10 mars. Donc, le 10 mars, je me réveille le matin, peinard, et j'ai 3000 sites qui sont dans l'atmosphère alsacienne. Et voilà, ils sont cramés. Donc, parce que le data center d'OVH avait brûlé. Alors, heureusement, nos sauvegardes étaient bien faites à l'extérieur du data center, parce que ça, c'était la grosse blague d'OVH d'avoir mis les sauvegardes à côté du data center. Et du coup, bah, on a pu remonter l'intégralité des sites en 48 heures. Donc voilà, donc là, mes sauvegardes, elles étaient bien faites. Alors, au passage, hein, si vous cherchez un hébergeur qui fait tout ça, bah, vous avez moi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour vos sites de PBN, une fois que vous avez réservé, hébergé et tout ça, il faut mettre un site, utiliser WordPress. Vous serez noyé dans la masse parce que la moitié des sites aujourd'hui sont sous WordPress. C'est rapide à installer, c'est facile à utiliser. Ma mère pourrait utiliser WordPress, c'est vous dire. Il y a des thèmes différents qui sont gratuits, il y a des extensions qui vont permettre d'ajouter plein de fonctionnalités à votre site. Ça ouvre la porte à l'automatisation. Bref, WordPress, c'est génial. Allez-y. Pour les PBN. Alors, la qualité du contenu, je vous en avais déjà un petit peu parlé, donc c'est primordial. La première chose que les clients verront sur vos sites, ce sont les images. Donc, ne mettez pas des images pourries que vous aurez piquées sur Google. Déjà, vous allez avoir des gros problèmes de droits d'auteur. Et allez sur une banque d'images comme Pixabay. Moi, je n'utilise que Pixabay, ça me suffit, pour trouver vos images. Alors, vous voyez que là, j'ai coupé la tête du monsieur. Donc, c'est pas du tout un hasard. En fait, je m'arrange pour que sur mes PBN, les visages ne soient pas reconnaissables. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se pointe dans 2 mois en me disant « Ah, monsieur Tréka, au fait, j'ai vu que vous aviez utilisé ma tête sur vos sites. Oui ? Bah, j'aimerais bien que vous les enleviez. » Ah, ça m'embêterait. Donc du coup, pour pas avoir ce problème-là, eh ben, je coupe toutes les têtes. Je prends que des visages tournés qu'on voit pas, tout ça. Et du coup, bah, je suis tranquille. Alors, mettez des textes qui soient compréhensibles, parce que certains clients liront les textes. Aujourd'hui, je n'ai pas encore été convaincu par ce qu'a fourni les IA. Donc, il vaut mieux passer par des rédacteurs. Donc, j'allais voir la conférence sur ce thème tout à l'heure, ou demain, je ne sais plus quand c'est. Mais pour l'instant, ça ne m'a pas convaincu. Alors, je pense qu'un jour, ça fera des trucs super, mais ce n'est pas encore aujourd'hui.
Donc soignez vos textes pour qu'ils soient sympas à lire, au minimum compréhensibles. Un truc important aussi, ça va être les titres. Il faut qu'ils respectent tous la thématique. Vous ne pouvez pas avoir sur un site de mariage « Voyance, deux points, comment trouver mon mari ?» Non. Si vous avez ce titre sur votre page d'accueil, vous cramez votre spot. Plus personne ne voudra acheter. Donc on choisira plutôt « Conseil pour trouver son mari ». Et là, vous parlez de voyance. Alors, pour démarrer rapidement, vous avez moi. Donc, je propose des blogs WordPress avec contenu pour 9 euros. Oui, c'est possible. Il y aura 4 articles de 100 mots. La livraison est rapide et l'hébergement est gratuit la première année. Donc, si vous voulez commencer rapidement, n'hésitez pas à me contacter. Donc maintenant qu'on a nos PBN, comment les vendre? Comment vendre du lien? Donc la chose la plus simple à faire, ça peut être de passer par des plateformes de netlinking. Donc leur travail de base, c'est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc il y a différents niveaux de services en fonction des plateformes. Donc la mise en relation, c'est toujours la base. Vous pouvez aussi demander la rédaction, la publication, le paiement, la facturation, enfin voilà. Les différentes plateformes proposent toutes des services différents. Et vous aurez une commission à payer sur la vente. Alors, des plateformes de netlinking en ce moment, ça pousse comme les champignons. Donc, je vous ai mis les sponsors de l'événement, ça me semblait ce qu'il y avait de plus juste. Donc voilà, vous avez Next Level de Julien Jiménez, Links Garden de Jackie et Devlink. Désolé, mais je ne sais pas qui c'est. Mais je vais les rencontrer tout à l'heure et ça va être super sympa, j'en suis sûr. Alors l'autre façon de vendre, classique, hein, c'est en direct, mais tout le monde n'y pense pas, bizarrement. Alors du coup, quand on vend en direct, il va falloir faire un petit effort marketing pour expliquer au monde entier que vous vendez des liens. Donc au moins sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux, en parler. Ensuite, il va falloir contacter les clients ou être contacté par eux. Et enfin, avoir un discours commercial pour convaincre vos clients que vos sites sont meilleurs que les autres. Et c'est là que ça va être important de faire un petit peu de profilage pour comprendre rapidement à quelle catégorie elle appartient et qu'est-ce qu'ils cherchent, pour bien répondre à ces questions. Un éditeur de site, si vous lui dites « Ouais, j'ai du gros trust flow, mais c'est dans la voyance », il va faire « Attendez, je comprends pas ce que vous me proposez ». Alors, il y a une plateforme qui est un petit peu l'intermédiaire entre les plateformes classiques et la vente en direct. Donc, c'est une plateforme que moi j'ai créée qui s'appelle Bulldoze. Donc, c'est une plateforme de mise en relation. Et l'avantage par rapport aux autres, c'est que vous ne payez pas de commission lorsque vous faites une vente et vous pouvez travailler en direct avec vos clients. Il faut savoir que la plupart des plateformes, en fait, cachent l'identité des acheteurs et des vendeurs. Ça les intéresse pas trop. Oui, parce que vous pourriez switcher leur commission. Donc sur Bulldoze, vous pourrez vendre des articles sponsorisés et puis louer du lien en page d'accueil. Oui. Alors, moi j'ai un amour, une passion pour la productivité. Je ne supporte pas de travailler, c'est moi. Et j'industrialise tout. Et donc en fait, cette productivité, c'est dans la génétique de Bulldoze. Je veux que ça aille vite. Et donc, pour vendre et publier et facturer un article sponsorisé, aujourd'hui, je suis arrivé à 4 minutes de travail cumulé. Donc voilà, j'essaie de tout limiter au maximum, de tout regrouper, de tout automatiser. Et aujourd'hui, donc, pour vendre, rédiger, publier, livrer et facturer un article sponsorisé, ça me demande 4 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi parce que j'utilise Bulldoze. Donc j'ai pas d'outil magique. Donc si j'y arrive, vous pourrez y arriver aussi. Si ça vous intéresse, j'ai fait une conférence justement au NDDCamp de David, pendant laquelle j'expliquais ma méthode Bulldozer pour être plus productif. Alors, conclusion. Donc pour démarrer rapidement, la création et la vente de liens, la création d'un PBN et la vente de liens en pas de liens tout court dessus. D'abord, réfléchissez bien aux thématiques que vous voulez, sur lesquelles vous voulez vendre. Il faut que ce soit des thématiques dans lesquelles vous soyez à l'aise et sur lesquelles il y a de la demande et de la demande auxquelles vous pouvez répondre. Choisissez bien vos noms de domaine, expirés ou nom de domaine neuf. Alors, j'ai oublié un petit détail sur les noms de domaine neuf. Évidemment, comme ils sont neufs, ils ne sont pas très intéressants en termes de SEO, donc il y aura un travail de netlinking à faire. Donc le travail que vous ne faites pas en recherche de nom de domaine, vous le ferez en netlinking.
Voilà, pardon. Ensuite, installez des WordPress dessus et vous pouvez commencer à vendre directement via Bulldoze en direct et sans commission. Alors, la question mug. Donc, il y a un mug à gagner. Alors, il est là, c'est formidable. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quels sont les trois grands types d'acheteurs de liens ? Formidable ! On l'applaudit ! Mais c'est moi. Alors. Ok. Alors. Si vous avez aimé cette conférence, eh ben sachez que vous pourrez la retrouver sur mon blog et que normalement, il y a un tweet programmé qui a dû partir pendant que je parlais. La classe. Mais je ne sais pas s'il est parti. Alors, en tout cas, je vais la poster dans pas longtemps. J'ai posté dans pas longtemps ce tweet. Donc, si vous avez aimé cette conférence, alors retweetez le tweet que je vais poster. Ça me fera vraiment plaisir et ça montrera que bah, ça a plu. Donc, mon Twitter, c'est François Tréca, tout simplement. Merci aux sponsors sans qui nous ne serions pas là. Et bah, je vous recommande d'acheter leurs produits pour vivre avec bonheur votre SEO. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps pour les questions. 8 minutes de questions, ok. Oui ? Vous avez parlé de porno et de... Ouais, poker, etc., sur les NDD expirés. Est-ce que les Coréens ou Chinois seraient aussi une fatalité ? Alors, sur les noms de domaine neufs actuellement, on peut être sûr à 95% que le site aura été spammé par des Chinois, des Japonais ou des gens de l'Asie, en tout cas. Et oui, c'est un gros problème. Et typiquement, sur... Expired Domain, l'outil américain, et ben là vous allez en retrouver des tonnes. Il me semble que sur PBN Premium, il y a un filtre un petit peu contre ce spam asiatique. Et du coup, vous en aurez moins. Chez David, il n'y en aura pas du tout. Ben, en fait, je m'en fous aussi, moi, parce que de toute façon, quand il y a du poker, du porno ou de l'asiatique, et ben, je ne le prends pas. Parce que mes clients, eux, vont checker l'historique du nom de domaine. Et s'ils voient ça, ils vont dire... François Tréca, il fait du spam, c'est pas joli joli. Donc non, moi j'ai besoin de la confiance de mes clients. Comment vous faites pour l'industrialisation du contenu en fait, de la rédaction ? Alors, donc pour la rédaction en fait, bah, j'utilise Bulldoze. Et donc sur Bulldoze, il y a Bulldoze Rédaction, et sur lequel les rédacteurs peuvent proposer leurs services. Donc en fait, je vais pouvoir, quand j'ai une commande d'article sponsorisé, eh ben, je vais passer directement ma commande à des rédacteurs que j'ai sélectionnés. Donc si vous voulez faire ça, il va y avoir un travail de sélection de vos rédacteurs. Donc lui prend un petit peu de temps, il faut faire les choses bien. Donc en général, ce que je fais, c'est que je contacte 10 rédacteurs, avec Bulldoze ça va très vite. Je leur envoie un test à réaliser, donc un petit texte de 300 mots. Et puis là, bah, j'évalue l'orthographe, les textes, de façon générale, est-ce qu'ils sont bons ? Est-ce qu'ils ont respecté les délais ? Est-ce que la mise en forme est propre ? Et est-ce que le paiement est facile ? Parce que si vous faites appel à de l'offshore, eh ben, ce n'est pas forcément évident de payer. Donc, est-ce qu'ils acceptent PayPal ? Enfin, est-ce qu'ils acceptent les moyens de paiement que vous acceptez ? Parce que bon, bah, des fois aussi, les virements, si vous faites un virement bancaire, par exemple au Bénin, bah, ça va vous coûter 30 euros. Bon. C'est un peu dommage, on perd l'intérêt. Par contre, avec PayPal, bah, vous payez 3,5%, je crois, du montant. Alors, je recommande Xoom. Donc, c'est un moyen de paiement qui permet de faire des paiements pour 3 euros par transaction. Donc, c'est plutôt raisonnable quand vous avez des gros montants. Est-ce que vous avez une autre question ? Il n'y a plus de questions ? Oui. Vous avez expliqué au début de la présentation que les liens en homepage étaient beaucoup plus efficaces. Donc j'imagine que ça se vend plus cher qu'un lien dans un article dans le site. Et ma question, c'est est-ce que si sur cette fameuse homepage, il y a des dizaines d'autres liens vers d'autres sites, est-ce que ça vaut toujours autant le coup d'investir sur ces liens-là ?
Alors, sur une d'après l'algorithme du PageRank, plus il y aura de liens sur une page, et moins cette page va transmettre de jus. Parce que le PageRank transmis, c'est le PageRank de la page divisé par le nombre de liens sortants. Donc plus il y aura de liens sur une page, et moins cette page sera intéressante en termes de netlinking. Personnellement, moi je limite à 10 liens homepage par blog. Mes clients sont à peu près satisfaits, ils ne se retrouvent pas avec une colonne qui fait 100 mètres de long avec 1000 liens. Et du coup, ça me facilite aussi la vente. Je leur dis, il n'y aura pas plus que 10 liens, donc t'es tranquille. Alors, plus cher, pas forcément, parce que moi, par exemple, un article sponsorisé, je le facture 10 euros. Et un lien en page d'accueil, je le loue 24 euros par an. Donc en fait, la différence de prix, bon, alors c'est x2 certes, mais ça reste très raisonnable. C'est pas non plus fou. Et en fait, on n'est pas obligé de le facturer très cher, parce que vu que c'est du récurrent, ça vaut le coup d'essayer d'enclencher la machine avec quelque chose qui n'est pas forcément cher pour pouvoir facturer chaque année. Et moi, actuellement, je loue plus de 2000 liens. Donc, ça marche bien. Oui ? Merci. Ouais, tu disais en fait que forcément un lien, plus il y a lien sur la page, plus son link juice il est divisé, on est d'accord. Du coup sur un lien page d'accueil, généralement c'est là où tu as pas mal de liens, donc j'imagine que tu calcules toi quand tu choisis tes liens, en gros le page rank que tu vas perdre aussi avec tous les liens qu'il y a présents sur la page, tu vas choisir en fonction du nombre de liens qu'il y a sur la page. Voilà, et c'est pour ça que pour mes clients, je leur garantis qu'il n'y aura pas trop de liens. En gros, il va y avoir les 10 liens pour les différents articles de blog, 10 liens au maximum en page d'accueil et les liens du menu. En général, il y en a 3-4. Okay. Et du coup, ils savent qu'au maximum, le page rank de la page d'accueil sera divisé par 23 ou 24. Ok, ok. Ouais, donc c'est vraiment des petites pages d'accueil, entre guillemets. Est-ce que généralement, tu as quand même beaucoup plus que 10 liens sur une page d'accueil, quoi ? Enfin, c'est des petits sites ou c'est des... Ah oui, mais là, on est sur du blog de PBN, hein, on n'est pas sur du Wikipédia. Pas du tout le but. Hein. Ouais. Le but, on est plus sur de la... C'est ce que je disais au début, on est sur des séries de blogs et on ne va pas s'amuser... on peut s'amuser, mais ça va coûter cher, à faire vraiment des super sites. Mais tu peux le faire. Après, tu peux t'orienter vers une prestation un petit peu plus premium, dans lequel tu auras des très beaux sites et sur lequel tu vendras plus cher. Okay. Voilà, j'y vois aucun inconvénient. C'est ce que recommande Jérôme Pasquelin, par exemple, dans sa formation. C'est ce qu'il dit de faire. Et moi, je trouve ça très bien, mais c'est pas mon truc. Ok. Donc concrètement, tous tes sites, ils ont autour d'une dizaine, vingtaine max de liens sur la homepage. C'est ça. Ok, ok. Très clair. Bien. Est-ce que tu contextualises tes liens homepage ou c'est dans des blog rolls? Alors, les liens en page d'accueil que je loue, et ça sera pareil pour vous si vous utilisez Bulldoze, en fait, je propose aux gens de rédiger une phrase, et dans cette phrase, ils peuvent placer leur lien. Et c'est tout. Donc voilà, la contextualisation va se limiter à cette petite phrase, donc ils peuvent placer comme ils veulent. Hein. Après, les encres, moi, je choisis pas, donc ils peuvent décider de mettre leur mot-clé dans l'encre, ou alors à côté, comme ils veulent. Après, la contextualisation elle va être aussi faite par la thématique. C'est-à-dire que sur un site de travaux, naturellement, en fait, on va trouver des mots-clés qui sont liés aux travaux. Et donc, on ne va pas avoir besoin de faire une grosse contextualisation, parce qu'en fait, on est déjà dans un contexte. Alors, moi, je fais une liste. Oui, je sais. Mais bon, les clients, pour eux, ça leur va actuellement. Donc, après, je ne les fais vraiment pas cher, donc en fait, il n'y a pas non plus vraiment à discuter 3 heures sur...